Tu disais? Non, c'est bon, ça y est, j'ai reçu. J'ai reçu. Comment quelqu'un vient, il oublie les cartes bancaires, il oublie tout. Non, je ne blague pas avec mon argent. En fait, cas parfait, très sérieux. Je ne suis pas là. Oh, pour avoir ce que j'ai eu là ici en France, j'ai trop souffert. Je ne suis pas là pour venir donner de l'argent à quelqu'un. Tu entres chez moi, tu me payes avant. Sinon, je ne blague pas. Tu dors là dans la rue. Est-ce que moi, je suis là pour donner de l'argent à quelqu'un? Quand on m'insulte tous les jours ici, personne n'est là pour encaisser les injures. C'est bon, les histoires de demain. Depuis quand tu entres dans un hôtel, tu payes, tu entres, tu payes le lendemain. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Jamais vu. La prochaine fois, ils doivent venir. Avec toi. Lisa, ce sont tes enfants. Lisa Bia. Tu veux que je te bloque? Je peux être sans caleçon. Tu veux que je montre mes seins? Idiote. Saleté. Chienne. Salope. Ce sont tes gosses. Ce sont tes gosses. Tu veux que je te bloque là? Dégage de mon direct. Vite fait. Idiote. Vous êtes là souvent là parce qu'on vous laisse l'occasion de nous regarder. Tu viens me parler mal, je suis ta camarade, je suis ta soeur, je suis ta bille comme ça devant là. Ce sont tes gosses. Tu veux que je vienne là, je m'en vais t'arracher le reste des pauvres petits cheveux que tu as sur ta tête là. Vous êtes là. Dégage vite, hein. Pas besoin des abonnés idiotes comme ça. Chénasse. Mal baisé. Chris, tu as mal chanté, mamie. Tu as mal chanté. Tes chansons-là, il faut qu'on revoie ça. Tes concerts-là, tu ne dois plus aller dans un concert. Parce que vous êtes toujours là où vous êtes en playback. Hein? Nous autres, il y a plein d'artistes qui sont meilleurs que toi. Des artistes camerounais. Mais parce qu'elles ne connaissent pas tel, elles ne connaissent pas l'autre. C'est comme ça qu'elles ne sont pas valorisées. Il y a beaucoup comme ça là qui se sont découragées. Tu es venu nous faire honte. Je vais apprendre. Et comment tu as fait pour être nominé? Toujours le choco, le placement. Hein? Comment tu as fait pour être nominé, mamie? Donc c'est maintenant que tu vas apprendre. Tous les conseils que tu fais du monde entier là, et les États-Unis, tu es là, tu montes, tu descends. Je ne veux pas te clasher, te dire la vérité. Parce qu'on ne peut pas te clasher. J'adore ton sourire. Parce qu'au moins, tu souris. Ce qui me plaît chez toi, c'est que tu souris. Mais le choco qu'il y a des gens au Cameroun, là, ce n'est pas bon. Hein? Ce n'est pas bon. Moi, comme ça, là, je vais venir pour me valoriser. Vous allez me demander si ce n'est pas l'argent. C'est la nièce. Hein? Vous autres, parce qu'on vous connaît. Tu connais l'oncle, l'oncle connaît le cousin connaît le tonton a mis comme ça là. On dit chante aussi, tu chantes, tu crois aussi que tu es Asta. Une villageoise. Tu nous as fait honte. Hein? Tu veux que je mette ça? Je ne peux même pas mettre ça. Ça fait honte. C'est l'humiliation. On dirait une buveuse de tonton. Faut arrêter. Arrêtez toujours de chopper. Donner vraiment la place à ceux qui méritent. C'est vrai, mes copines. Il y a plein de rappeurs, de jeunes rappeurs. Moi, j'ai vu ici, là, à l'époque, là, beaucoup m'écrivaient. Si tu vous écoutais comment les enfants, là, chantent, ils sont au Cameroun. Pourquoi vous n'allez pas chercher les vrais talentueux? C'est comme ça qu'on va vous faire honte tous les jours. La plus mauvaise chanteuse à la soirée, c'était le Cameroun. Ouais, ce n'est pas de ta faute, mamie. C'est la faute de ton équipe de management. C'est tout. Toi, tu n'es pour rien. Tu es un enfant. La seule chose que j'aime chez toi, c'est le sourire. Parce que tu es toujours en train de sourire. Mais il faut arrêter. Lorsqu'on ne sait pas faire le show, on apprend. Tu apprends. Ou alors, tu fais ton truc de concert. Hein? Tu chantes à playback, tu fais des histoires de concert. C'est tout. Mais tu ne vas pas jusqu'à... Donc, tu allais nous faire honte comme ça sur France Africa. Hein? Si on te note, peut-être le genre que tu gagnes
tu vas maintenant chanter, tu vas nous faire le genre là. Le genre de salité là. Hé, hey, maman. Le choco de ça. Enfants de tels. Ce sont toujours les enfants des riches qui évoluent au Cameroun. Les enfants de pauvres, vraiment. Hein. Pauvres de nous. Nous sommes obligés de nous battre tous les jours pour nous en sortir. Parce que si tu vois derrière là, je suis sûr que son oncle, son père, ce sont dans que des puissants, ou la tante, ou la maman même. Hein? On n'a même pas pu prendre Indira. Hein? Pourquoi il n'a pas chanté? Parce que la petite la chante bien. La honte, souillure. Je suis obligée, j'engueule de tes managers, toi tu n'es pour rien, tu es une petite fille. C'est tout. Ça nous énerve, nous autres. Parce que nous autres, on va dépenser l'argent. Ils sont là juste pour nous bouffer l'argent. Hein? Pour nous bouffer l'argent. C'est maintenant que tu vas apprendre à chanter. Avant, là, tu n'étais pas chanteuse. Oui, j'ai compris les critiques. Je vais me concentrer. C'est énervant. Hein? Ça m'énerve. Parce que moi, je paye. J'ai les droits de sacerdoce riche. Je touche aussi à mon niveau. Mais jamais tu vas nous attendre, tu vas attendre qu'on a appelé Natacha pour faire tel concert. Hein? Il faut toujours choco, choco, choco. Le chant et les rombières, là, sans musique. Toi-même, tu restes comme ça, tu dis, Adama, je chante même mieux les rombières, là, même qu'avec la musique. Toi, ta propre chanson te dépasse, là. Buveuse de dentole. Ouais, je suis obligée, je suis désolée, ma puce. Ouais. La prochaine fois, quand on va dire qu'on te place dans un truc, tu vas dire que ah, je ne suis pas prête. Mieux vous prenez quelqu'un d'autre. Si c'est le genre, si vraiment. Hein. Maman, heureusement que tu n'es pas encore venu chanter à Toulouse. Parce que les bêtises comme ça, je ne veux même pas écouter ça. Les gens ont les milliers de vues. Les milliards de vues. Hein. Ce sont tels qui remplissent les salles dans le monde entier. Remplir ça, remplir, ben, chante à l'ombre, Henri. Hein? Et je vois certains hypocrites qui n'arrêtent pas de dire oui, elle a fait de son mieux. Est-ce que c'est fait pour faire de son mieux? Le genre de concert comme ça, c'est que pour les meilleurs. Donc, elle vient faire de son mieux. Vraiment. Mieux je commence les émissions de télé ici en France et je commence à chanter, hein, franchement. Parce que là, ça me dépasse. Parce que là, ça me dépasse, mes copines. Je suis en train de faire à manger. Hein? Faire à manger. Comment la vie va, ça va, mon cœur? Quelqu'un est chez elle, ça devient que. C'est souvent là. Certaines personnes qui manquent de respect aux autres gens, moi je ne comprends pas. C'est vrai qu'on était des camarades de classe. Wanda. Je suis chez moi, je peux être sans caleçon si je veux. C'est chez moi. C'est mon poitou. C'est mon corps. Parce que dis les vérités à ton artiste. Il faut arrêter de pousser les enfants. Comment va plus ça va? Un enfant est nul. Vous te poussez toujours. Tu vas en classe supérieure. Il y a les gens ici qui ont les licences, mon Dieu. Viens faire la dictée avec la personne. Incapable. C'est vous qui venez dire aux gens que les autres ne sont pas diplômés. Maman, dama. Les diplômes de ça, les diplômes du choco. Les diplômes de choco. On connaît le ministre, hein, on te fait passer devant. On connaît le préfet, on te fait passer devant. On connaît tel, on te fait passer devant. Je sais que c'est asséché, mais je veux me débrouiller avec ça quand même. Je veux me débrouiller avec ça, maman.
n'ai pas le choix parce que si je passe le parfum, c'est pas bon. Mais... Oh, regarde, c'est les histoires. Comment la cuisine est de ça. La citronnelle, là. Il faut quand même faire avec ça. Un peu de peau aussi. Je vais me débrouiller avec ça. Ah, c'est bien sec. Mais c'est le parfum que je veux. Le parfum, c'est pas mal. Je vais faire le ritaille. Vous connaissez le ritaille. Vous savez que j'ai failli m'installer en Thaïlande. J'ai failli investir en Thaïlande. Hein. Je vous dis, j'adore ce pays. La Thaïlande. Donc, la cuisine thaïlandaise, je cuisine ça vachement bien. La cuisine thaïlandaise, je cuisine ça vraiment bien. À l'époque, avec mon ex-mari, on allait tous les deux mois là-bas, à Thaïlande. J'ai failli m'installer là-bas. Mais le problème, c'était que les étrangers ne pouvaient pas faire des choses si tu t'es pas mélangé avec un Thaï. C'est ce qui est dit en France, parce que vraiment, en France, tu peux même être étranger, tu peux investir. Les pays là que tu n'investis pas, si tu n'es pas de leur pays, leur nationalité, c'est pas évident. Tu vas aller investir, on te frappe. Maman, tu rentres là et là. Elle dit que, regarde. Ouais, bon. Mm-hmm. Le gingembre. Mm-hmm. Non, ma chérie. Souvent, lorsqu'on veut te mettre en haut et que toi-même, tu sais que tu ne peux pas, tu dis, par tonton, tata. Non, ce n'est pas mon niveau. Mon niveau, c'est que les concerts en plaît pas. C'est tout. Pour ne pas te faire la honte. Parce que vraiment, la façon dont tu as chanté, moi, je peux parler dans ton concert un jour, hein, je te dis. Hein. Jamais. Je n'encourage pas la médiocrité. C'est être médiocre. Oui, tu étais médiocre. Je te dis les vérités. Je ne peux pas te mentir. Parce qu'à ce niveau et à ce stade, tu devrais être top. Tu devrais être la meilleure. Tu devrais être le genre comme Indira. J'espère que les Indira, là, c'est aussi leur voix. Parce que vraiment, lorsque j'écoute cette chanson, c'est tellement magnifique. C'est tellement joli. Mais là, j'avais l'impression que c'était le robot qui chantait. Je ne sais pas si je dois mettre l'oignon rouge quand même ou je laisse même. Je vais laisser. Je vais mettre un peu de ninja. Comme ça. Chantal, merci mon cœur, merci. Si on va nous faire le ritaille là. Oui, au poulet, à base de poulet. Donc je découpe d'abord tout ça. J'ai la sauce du poisson pourri. Hein, il se fait normalement au Vietnam. J'avais visité ça. Oui. Le poisson pourri. Et tout. On mélange avec c'est ça qui donne le parfum là. Oh yeah. Je vous dis que les enfants sont en vacances là. On doit voyager. Après là. Mm-hmm. Alors. Bonsoir Karine, ça va mon cœur? Ah oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait mon bon piment, le meilleur piment du Cameroun. Maintenant, je prends le poulet. Le poulet, je vais découper ça juste là à côté. Bon. Donc vraiment ma chérie, retourne apprendre la musique et donnez la chance, vous les managers, donnez la chance aux jeunes artistes talentueux. Ouais, être connu. Ça c'est pire que artiste Mbrakata, pire. Maman, moi quand on me traitait d'artiste Mbrakata, mieux de moi. Hein. Alors là, mieux de moi. Dama, faut être aussi nul comme ça. À
après tous les conseils que tu as fait, par contre, pour pomper l'air aux gens, comment tu es nominé, tu es nominé, tu es nominé, maman, on était à... Tu nous saoulais déjà. Tu es nominé, on croyait donc que tu allais faire quelque chose même de, d'utile. Rien, zéro, zéro, macabo. Oui, oui, obligé de te dire les vérités, ma chérie. Parce que nous autres, nous sommes aussi des artistes, hein. Oui, je m'accorde de l'assassin, hein, ma chérie, sauf que on n'a pas la même chance que toi, hein, parce qu'avec ta voix là, maman, je me dis que non. S'il n'y a que les nullards comme artistes au Cameroun, maman, moi, je pense que je serai la première, hein. Parce que s'il ne faut pas de talent pour faire la musique au Cameroun, franchement, je serai la première. Hein? Je coupe ça en petits, petits morceaux, là. Comme ça là. Ouais. Vous savez que moi je cuisine vite. Hein? Cuisine tellement vite. Et tout. Mmh. Parce que bientôt là c'est le restaurant. Oui, Phuket, Jean 5, le 5. Ah, maman. À la fin de la semaine je vois à Moray. Alors c'est mon Dieu. La fête de ça. Vous voulez voir. Ça va me faire du bien. Je veux un peu profiter de la vie de luxe. Hein, parisienne, le confort, le luxe, la détente, ça fait du bien. On te sert aussi, tu es comme une princesse, tu pompes l'air, tu saoules l'air, tu saoules Facebook après. Hein, les enfants s'y jouent, hey, hey, maman, le jeu de ça. Ghislaine Chou, oui, dis-moi, pose-moi ta question, mon bébé, dis-moi. Sur WhatsApp, j'ai trop de messages. Oui, je réponds qu'aux gens qui achètent mes cheveux. Oui, tu achètes mes cheveux. Je dois même confectionner. Il faut faire ma puce. J'ai ma puce qui est en Allemagne, ma chérie. J'ai reçu ton cheveu. Je veux confectionner ta perruque là demain. Donc, si je peux, je t'envoie ça aussi demain après-midi. Ouais. Je te remercie de me faire confiance. Parce que tu m'as déjà acheté beaucoup, beaucoup de perruques. Merci beaucoup, ma chérie. Ça me fait plaisir comme ça. Comme ça. C'est vous qui disiez souvent ici que je ne sais pas cuisiner, non? Oui. Ça se voit, ça vous plaît, non? Pourquoi? Ça vous plaît? Vous aimez ça? Donc, je vais m'habiller pour vous faire plaisir. Je me fais d'abord plaisir. Après, je fais plaisir à mon mari. Parce que je vous signale, je suis donc mari. C'est d'abord moi, mon bonheur. Je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi. J'ai dépassé l'âge là. Allez apprendre les enfants comme Chris aime. Ce sont elles qui ont besoin de vos conseils. Et maintenant que vous venez la conseiller, vous étiez où avant? Voilà les Oshiga. On pouvait prendre les filles comme les Oshiga. Chanter. Hein? On pouvait prendre comme une fille comme Oshiga. Pour chanter. Elle n'aurait pas fait la honte publique. Oshiga. Je suis même sûr que toi, Crébienne, chante 100 000 fois mieux que. Le crédit clair. Ok, crédit clair. Le petit mamie Wata là. Ok. Vous ne voyez pas vos grandes artistes talentueuses. Parce que nous, on ne connaît pas telle ou telle personne. J'arrive, mes bébés. J'arrive. Je cherche. Donc, pour cuisiner, yes, le big wok, comme ça, ça, c'est bien. Vous faites chauffer, moi j'adore l'huile d'arachide ou l'huile, je veux voir, s'il n'y a pas l'huile d'arachide, là, je vais faire, ah, si, l'huile d'arachide.
J'aime bien. Ça nous donne un peu le parfum du pays. Comme ça. Ouais. C'est rapide. Hein? Les cuisines thaïs sont rapides. Et je cuisine en même temps, je fais le congo, ça. Oui. Je te prends en direct. Je sais même comment on fait ça, comment, maman. Envoie alors l'invitation. Santé, mes doudous. Envoie l'invitation, ma copine. Je te prends en direct. Comme ça là, c'est bon. Le riz est déjà prêt. Le riz est déjà prêt. Oh. Le riz cuit à la vapeur. C'est déjà prêt. Là, comme ça. Vous voyez, vous faites cuire le riz à la vapeur. Vous laissez. Comment? Ici, là, c'est la maison des enfants. Ça a pris, ça a le jour. Après, on va dire que je suis jalouse. Tu te demandes comment les autres font. Maman, les enfants des milliardaires. C'est toi qui chante mal. C'est toi qui es connu. C'est toi qui remplis les salles. C'est toi qui fais les concerts. Adama, on peut évoluer comme ça là. Tu chantes mal. Ma chérie, sincèrement, hein, je suis sincère. Je ne peux pas être hypocrite parce que j'ai le même statut que toi en tant qu'artiste. Mais tu chantes mal. Je ne peux pas te flatter. Ce que j'aime chez toi, c'est ton sourire. Parce que pour ça là, c'est ce qui peut-être te sauve. C'est pourquoi tu vois que je ne peux pas vraiment te clasher. Parce que tout ce que je dis là même, c'est seulement pour te dire, moi, ma part de vérité. Mais tu chantes vraiment, chiché, chiché. Ça, là, 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 là. Les oreilles. Maman, mieux moi, même moi. Si je suis artiste, Mrakata, mieux. Mieux ma voix, mieux ma voix. Parce que si on m'a nominé artiste, Mrakata, tu mets ici, là. Maman, je viens vous présenter mes chansons pour me nommer artiste, Mrakata. Et vous croyez que je vais vous laisser? Je ne peux pas laisser. Je suis désolée. Je ne peux pas. Je vais mettre là. Oui, je vous vois, je vais vous dire. Parce que sinon, je vais faire le bruit. Oh, je vais faire masser. Ah, elle est très longue. Oh. Comme ça. Une bonne femme, c'est celle qui cuisine. Il n'y a pas que le piment dans la vie. Il n'y a pas que le piment. Faites aussi la cuisine comme ça, à vos gars. Aujourd'hui, on mange thaï. Maintenant, poivre, sel, blablabla. Oui, je n'ai pas vu, hein. Je ne sais pas utiliser ces choses-là. Je vais mettre la sauce. Ça, c'est différent. Je suis au Vietnam pour faire ça. Ça. Je vais mettre la voix comme ça.
ça donne une belle couleur. Maman, mal au bout de ça. Comme ça là, c'est excellent. Maman, je m'en vais à la fin de la semaine pomper l'air aussi à Paris, maman. Le luxe de ça, hey. Le luxe de ça, oh, aller à moi. Hey. Il faut quand même un peu de ça, là, c'est quoi. J'aime bien customiser les plats. À ma façon, à ma manière. On dit que quoi? Sans trop. Vous ne voyez pas lorsque les stars là, hein, les Beyoncé, c'est son sang caleçon, c'est mon sang caleçon que vous venez voir. Quand même mettre un peu de sel, même si on déconseille, parce que la sauce est déjà bien salée. Je suis en famille, parce que je suis en famille, je me concentre en ma famille. Excellent. Hermès, lui, ne mange pas de riz le soir. Non, dès que son plat, comme il y a les petits légumes là, j'ai les carottes. J'ai mis les carottes. Dès que ça cuit là, j'enlève pour lui et je mets pour nous. Oh là 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 là, maman! On peut être belle, être une bonne cuisinière comme ça, maman. Seigneur Jésus. Vous voulez goûter. Aïe, maman. Aïe. On peut avoir le talent dans tout comme ça. La cuisine est de ça. Hein? En même pas 30 minutes. Le repas est déjà prêt. Hein? Comme ça là. Je fais les restes d'abord. Jeter ça, je vais mettre l'assiette de MS de côté parce que lui ne mange pas de féculents, surtout pas le soir, un peu dans la journée. On dit que le loi fait quoi? Aïe. Maman. Hey, Dubaï. Dubaï, si. Hey, maintenant, tu montres quelque chose sur Facebook, ça retombe contre toi. Hey. Chantal, ici. Une star, voilà, alors une vraie star. Chantal a dit, si tu viens faire quoi sur Meta, dans la saleté, une déesse comme toi, une diva comme toi, tu fous quoi avec les stars Mbrakata? Merci. Les stars Mbrakata de Meta. Voilà ton nom. Donc, vous avez les grands réseaux comme ça, vous m'ignorez, maman. Les 5 millions. C'est comme ça. La vie, c'est ça. Les grands réseaux des 5 millions, 10 millions dessous là. Par contre, vous chantez, vous dansez dans vos musiques là. Maman, je me casse la tête ici et danse vos chansons fatiguées. Heureusement que mes camions ont bien interdit de mettre vos musiques. Vous avez les grands réseaux.
tu ne vois pas ta jolie petite sœur ici là. Hein? Ta jolie petite poupée. C'est comme ça. C'est comme ça, hein. Vous avez fait ça. Vous voulez quoi? Comme ça, c'est ça la vie. C'est quoi? Voilà maintenant une femme que tout le monde rêvait, fantasmait. Hein? La plus belle femme du Cameroun. Tu te retrouves dans la saleté. Vraiment, c'est triste quand même, c'est malheureux. Hein? Malheureux, hein? Tu ne dois pas fréquenter aucune d'elles. Elles sont tous pareilles. Aucune d'elles. Tu es une star, tu es une diva. Voilà maintenant ta voix qu'on met partout. Partout, partout. Les histoires des stars. Les stars Mbrakata. Ou c'est peut-être les robes qui fait ça. Les gens veulent dénouement, les amis. Moi, j'ai tellement essayé avec les filles que mes copines, je peux vous dire que je me demande si j'ai un esprit seulement qui détecte le mauvais esprit de certaines personnes. Je ne vous mens pas. Dès que j'essaie, ça se gâte toujours. Très mal. Donc, je préfère rester avec ma famille. Je préfère rester avec ma famille, mes amis. C'est ma famille maintenant. Trop de déceptions, de problèmes. Hein? Dès qu'il y a un meurtre, je vous dis, seul. Une diva comme toi, tu te fais même des rabaisser. Nous, on a dansé pour toi. Hein? C'est tes chansons. Ça va, c'est pas salé. Ça, j'avais peur parce que comme j'avais mis à la sauce là. Maintenant, je vais mettre l'assiette de mon fils que je vais d'abord chauffer. Tant qu'on fasse le gros, ça parce que les est tellement habitué de chauffer le plat. Les est tellement habitué de chauffer les assiettes. Donc, je vais chauffer ça. Vous voyez comment je chauffe une assiette. Vous connaissez déjà, je pense. Ça, c'est là. Pardon? Oui, non, c'est là. Ça tourne là. Et après. Ah! Les yeux, mais ça s'appelle le riz. On va mettre les yeux là. Ah, le parfum thaï. Je vais couper le citron. Ouais, je vais couper le citron. Vous ne mettez pas de cœur. Même les cœurs, c'était en. Pas d'étoiles ni de cœur, Adama. Je suis dans un dur projet. Merci pour les cœurs. Très dur projet là. Qui me prend énormément de temps. Donc dès que je réalise mon projet là, je viens vous pomper les fumetas comme d'habitude. Je pompe, je veux cramer, je veux pomper les bien même. Et comme j'ai décidé de ne plus trop vous montrer les choses, parce que j'ai compris que l'on peut vous montrer les choses. J'ai compris que l'on
on vous montre les choses, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal, le problème, la jalousie. Là, c'est bien. Oui, là, c'est bien. Waouh. C'est bon. Ah. Le parfum, mes copines. Aïe. En tout cas, c'est comme ça. Ah, pour Hermès. Et maintenant, moi, je vais rajouter du riz. Ouais, je rajoute le riz pour nous autres qui aimons les calories. Et pour nous autres qui ne pouvons pas faire le régime comme il faut. Pour nous autres qui aimons la chop, la bouffe. Et là, je vais faire tourner ça. Je vais d'abord bien tourner ça. Là, on peut quand même donner. Aïe. On peut avoir une belle femme parfaite comme ça. Ça n'existe plus. Hein. Une femme maniaque. Une femme propre. Une femme qui cuisine bien. Une femme qui sait gagner l'argent. Ah, une femme riche. Une belle femme. Vraiment, Dada, tu dois encore payer la dot. C'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Sinon, je m'en vais chez Francis Ganou ou chez Samuel Eto'o, même si je suis la deuxième femme. Sinon, je retourne chez le Camerounais, si tu ne dotes pas. Parce que, c'est quoi? Dieu t'a tout donné là. Hein? C'est toi qui as la belle femme. C'est toi qui as la femme qui est riche. C'est toi. C'est toi qui as la femme milliardaire. Et le mot milliardaire qui lève beaucoup de Cameroun. Ah, là, maintenant, je veux. Je vais casser les œufs. C'est rare de nos jours, une femme maniaque, belle, souriante, généreuse, douce. Ouais, faut vraiment que on renégocie la dot là. Hein. Oui, mon chéri, comment tu vas? Hermès, tu peux venir manger ton assiette. Ça y est, c'est parfait. Maintenant, on va tout mettre comme ça. Là, nous sommes déjà à Thaïlande. Il suffit de mettre une petite musique là, thaïlandaise, et c'est bon. Bienvenue à Thaïlande, chez Natacha. Oui, mon cœur. Ça va très bien. Hein? Mais s'il avait Dada? Ils t'ont fait quoi? Ils t'ont tapé? Mais si t'as tiré quoi les cheveux? Mais tu racontes que des conneries, hein? Mais tu dis que tu l'as tiré les cheveux, voilà ton assiette, mon cœur. Tu mets les.
tu mets la cuillère et quoi, la fourchette, le couteau. Je t'ai pas amélioré comme d'habitude. Tu mets ce soda. Ah oui, un petit peu. C'est bon, non, la fourchette. Ça va. Tu vas pas maintenant tu manger le blanc de poulet. Quand même, hein. Je ne fais pas d'anorexie. Je sais que tu as 11 ans, tu dois séduire les petites copines après à l'école. Tu dois avoir les pecs. Hein? Tu me crois que je quand même, il faut quand même que tu te nourrisses un peu parce que sinon. Oui, va voir ce qu'on sait, maman va te servir. Oui, tu vas de l'eau, va chercher de l'eau là-bas. Va chercher chez ton frère. Va chercher de l'eau chez ton frère. Tu vas t'asseoir juste à côté, de l'autre côté, s'il te plaît. Je t'apporte ton assiette. D'accord, mon frère? Pourquoi tu veux taper ton papa? Oh.
peux taper ton papa, tu es sûr? Il va tout bouffer. Regardez. Ouais. Viens, je te mets à table. Tu vas à côté du jeu? Oui. Ok, tu t'assois là et tu manges, hein? Aïe. Aïe. Mais s'il te plaît, tu manges les légumes, pas que le poulet. D'accord? Pas que le poulet, s'il te plaît. D'accord? Parce que sinon, tu vas être anorexique, tu vas être maigre, hein? Tu dois avoir les muscles quand même. Tu sais, pour séduire. Si tu es musclé, tu vas voir toutes les femmes. Mais bon, oh, ce beau garçon métisse. Beau gosse. Ah oui, hein. Sinon, ils vont dire que ce maigrichon-là. Maman, la poule est dans l'eau. Hum? La poule est dans l'eau. Ah ouais. La poule est dans l'eau. Oui. Voici la bouteille d'eau. Et c'est bon. Bon, merci. Tu m'appelles plus, hein? Je n'existe plus pour toi, hein? Ok? D'accord? D'accord, c'est mieux. Tu m'oublies, hein? Je ne suis pas ton esclave quand même. C'est demain quand tu vas voir ta petite chérie là. Tu vas oublier tout ce que ta maman faisait pour toi. C'est comme ça que vous êtes souvent, vous les garçons. Là, c'est mignon, comme ça. Je ne décore pas. Je laisse. Il est très chaud. C'est chaud? Bon, mes doudous, vous avez vu en quelques minutes. Oui, tu laisses alors quelques minutes, secondes. Ça va se refroidir. D'accord? Tu es déjà un grand garçon, non? Tu vas à la maternelle. Tu m'as dit que tu étais un grand garçon, tu n'es plus un bébé. Alors, gère ta vie. Oui, on va dire oui. C'est comme ça, il faut apprendre à gérer ta vie. Ah, le bon plat, ça y est, c'est prêt, c'est les tout bon. Dada? Dada? Ça y est, c'est prêt. Ah, comme ça, vite fait, bien fait. Ce qui est sûr, c'est ça. Tout en faisant le Congo ça, mes copines. Maman, arrête. Je n'oublie pas que tu es le dernier. Sinon, je vais accoucher petite fille là. Et tu vas voir que tu seras plus le dernier. D'accord? Oui, c'est pas grave, je suis un grand garçon, c'est pas grave. Les grands garçons, ça ne pleure pas. Parce que le dernier là, il croit qu'il est le dernier. Tant là, quand elle va te faire une petite fille là, elle va te pincer les cheveux, tu vas voir. Bon, mes doudous, je vais devoir vous laisser. J'ai déjà fait mon repas. Merci de m'avoir suivi. Chris M, je te conseille vraiment. Change de domaine, change de métier parce que vraiment la chanson avec le bricolage que tu as fait, c'est pas ça. Ou alors peut-être que c'est un truc de beurre, je sais pas. Change de métier, ma chère. Parce que tu vas te rester dans les gangas camerounais, dans les États-Unis où tu vas là. Parce qu'avec ça là, franchement, tu peux pas être à TF1. Oui, tu ne peux pas chanter à TF1 pour le Cameroun. Parce que tu risques vraiment de nous faire honte. Tu as déjà commencé à nous faire honte. Là, ça va être pire. Donc, vraiment, tu changes de domaine. Parce que vous croyez toujours que vous êtes des petites filles. Moi, j'ai commencé tôt. C'est pourquoi aujourd'hui, je profite. Oui, tu peux fermer là. Le verre. Ça y est, chez nous, un peu de taille là. Deux grosses boules, les deux grosses boules de tâches, pam, mon dada. Voici le verre. Moi, je veux manger tout à l'heure, tu sais, comme je viens de cuisiner là. Je sais pas, il y a la vaisselle. Ça va là que tu te dis, ça va. Tu es au Cameroun, là, tu es venante, 24 heures. Bon, mes doudous,
Je vous aime, je vous embrasse. Gros, gros bisous. Oui. Et bon courage à Ostam Rakata. Bon courage à Chantal ici. J'espère pour toi, ça serait une leçon. Ne te mélange plus. Ne décris pas ton image. Parce que nous autres, nous, on a dansé pour, on a chanté, on a interprété ta musique. Te voir dans la saleté, là, franchement, c'est dégoûtant. Pour une grande star comme toi, c'est dégoûtant. Hein? Ne te mélange pas avec des personnes qui sont des Stam Rakata. Tu vois que c'est toujours les problèmes 24/24. Tu fais quoi? Tel est mieux, demain ça va être l'autre est mieux, après demain ça va être l'autre est mieux, ça sert à quoi? Hein? Moi j'ai même honte, ça me fait même mal de parler de ce sujet. Parce que je veux te mettre, tu seras en tort. Une star comme toi, tu fais quoi dans les business avec des Stam Rakata? Les Stam Rakata. Hein? Tu as quand même une image. Nous autres, on peut se souiller. Parce que nous autres, nous, on n'a pas d'image. Moi, mes appartements seront toujours loués. Ça, ce qui est sûr, c'est qu'il manque de logements en France. Donc, même si on me salit comment, ils auront toujours besoin de mes logements. Et avant d'entrer chez moi, il faut me payer. Tu ne me payes pas, je viens te faire la honte. Pour moi, les lois, là, ce sont les histoires des histoires. Tu ne me payes pas, je me déshabille devant la porte. Je ne blague pas. Parce que j'ai souffert pour avoir mon argent. J'ai souffert pour avoir ce que j'ai. Donc, je ne rigole pas. Tu viens. Hein? Une star, une icône, une diva, une beauté. À Chantal. Non, mais je ne sais pas, c'est peut-être l'Europe hein, qui fait ça. Si tu veux même marcher avec des personnes dont alors à ton niveau. Hein? Il y a Grâce Tech à qui est là. Vous allez parler de musique. Tu viens faire quoi? Maintenant, c'est une autre personne qui est mieux. L'autre fois, c'était l'autre qui était mieux. Mais... Non, non, non. C'est toi qui as déconné. Sans te mentir. C'est toi qui as déconné. Ne te mens pas. Faut te respecter. Tu es une grande personne. Mais bon. Moi, je suis déçue. Hein? La Chantal, ici qu'on connaissait au Cameroun, qu'on se cassait la tête en classe de seconde, comment on dansait, classe de troisième, classe de seconde, on dansait, on interprétait pour toi, dessus des chansons. Aujourd'hui, on voit les histoires de merde, on attend les trucs, tu pleures et tout. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Tu tapes quoi? Tu joues avec ça? Et tu me vois en vidéo? Non, mon amour, non. Tu sais bien que je suis en vidéo, là. Ça fait du bruit. Merci. Et tu n'as pas mangé de légumes? Non. Toi, là, ta femme va souffrir. Elle va faire le blanc, oui. Elle fera un blanc de poulet sans rien. Tu enlèves tous les légumes. Et moi, je me suis cassé la tête pour te faire les carottes. Donc, vraiment, oui. C'est très coquin. Donc, vraiment, courage, mais évite, ne décris pas ton image de diva. C'est quoi? Les vidéos, les photos, les voix, les voices, ça sort de partout. C'est toujours la saleté. Ça, je ne sais pas si dans d'autres pays, on écoute les choses. Vraiment, c'est décevant. Prenez à respecter quand même vos divas, hein, franchement. Au moins, c'est des choses qu'elles ont fait avant. Moi, c'est, je suis quand même déçue. Oui, tu as les enfants. Les enfants peuvent être tes amis. Tu n'es pas obligé d'avoir les amis. Hein. Moi, déjà, quand je suis dans ma famille, là, je vous dis, moi, maintenant, je ne réponds à personne. Je réponds seulement quand vous me voyez dans mes taclements. Oui. Ma famille, non. Je ne veux pas, je suis fatiguée. Tu fais du bien, ça retourne toujours contre toi. Je suis fatiguée. Me taire. Me taire. Une grande diva. On écoute la vidéo, comment tu pleures. Si c'est la comédie, si c'est la réalité, si c'est quoi. Bon, mes doudous, je vous laisse. Je vais laver ce que j'ai salé là. Je vous embrasse. Gros bisous. Oui, oui.